Mon père a créé cette entreprise il y a une trentaine d'années. Ça fait une dizaine d'années que je la dirige. Et que je me bats comme un forcené pour la maintenir à flot. Trouve-moi quelqu'un qui je peux emprunter. Personne va te prêter dans ta situation. Je suis désolé, mais il faut que tu déposes le bilan. Ton mari est un incapable, Dana, et tu le sais. Arrêtez de m'insulter devant ma femme et mon fils. Ta femme est avant tout ma fille. C'est lui qui a raison. T'es vraiment qu'un minable. Vous vous prenez pour qui? Pour celui qui a l'argent. Tu pourrais me trouver une société bidon et m'ouvrir un compte bancaire à l'étranger? Tu nous parles de piquer de la TVA sur du gaz carbonique. Tu peux rembourser tes dettes et même garder ton entreprise. Pourquoi tu voudrais partager avec nous? Plus on est fou, plus on mise, plus on prend. Antoine, c'est l'état que t'arnaques quand tu fais ça, attention. Hein. Combien il te faut pour commencer? 1 million. Où est-ce qu'on va trouver tout cet oseille, nous? Mon pote qui a même, pote de la boxe, peut nous aider? Il va en faire quoi de tout ce pognon? Le plus sûr, ce serait d'ouvrir des comptes offshore. Alors on crée notre propre boîte de trading. Ça veut dire que si je t'en donne 5 aujourd'hui, tu m'en rends 10 dans 3 mois? C'est trop gros, ça va trop vite. Ça va leur tomber dessus! T'as pas intérêt à rater ton coup, mon pote. La dernière fois que je t'ai vu, c'était pour me dire que t'étais criblé de dettes. 3 mois après, tu reviens avec les poches pleines d'argent. Une voiture qui vaut plus cher que ma maison. T'es un mec bien, Antoine. T'es le premier mec bien que je rencontre dans ma vie. Une des erreurs de ma vie aurait été d'avoir totalement sous-estimé ce petit con. Il paraît que vous avez pris plus de 500 briques. Toi, tu te pointes avec 10 plaques et tu crois qu'on est quitte? Mais qu'est-ce que vous avez dans la tronche, bordel? Tu crois que vous êtes pas assez dans la merde comme ça? On rigole plus là. Un général d'Empire ne doit jamais arriver au combat avec un seul plan. Le grand art, c'est de savoir changer pendant la bataille.